Voici le communiqué qui suscite l'interrogation. La CENI voudrait informer les partis politiques, les populations, ainsi que tous les acteurs et partenaires du processus électoral en cours, que le début des opérations de révision des listes électorales est reporté à une date ultérieure sans grande précision. Les raisons de ce report sont multiples selon l'institution chargée de l'organisation et de la supervision des élections. D'abord, la CENI évoque le retard accusé par les partis politiques dans la transmission des listes des membres des comités de liste et cartes. Ensuite, il y a le temps nécessaire au reconditionnement des équipements de révision des listes électorales. En plus, les différents documents et supports qui devraient servir pour la campagne de sensibilisation des populations ne sont toujours pas disponibles. À tous ces problèmes s'ajoute la non-effectivité de l'audit du fichier électoral de 2007, un acte indispensable au déclenchement du processus de révision des listes électorales. Toutes ces étapes devraient être franchies avant l'opération de révision de la liste électorale dans la zone 1, dont le coup d'envoi est prévu préalablement pour ce 19 novembre 2009.